Salut tout le monde, c'est Doops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve avec Audrey, ou alias Dreyu. Coucou. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a déjà fait une vidéo avec moi, vous la retrouvez ici. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toute con, en fait. J'avais envie de faire un tu préfères, mais un spécial couple et fille. Et peut-être les soirées aussi, j'avais un truc drôle dessus. Tu préfères avoir 10 enfants ou ne pas avoir d'enfants? Ne pas avoir d'enfants. Non, ne pas avoir d'enfants, parce que 10, c'est pas possible. 10, à quoi tu pourrais les allocs? La meuf par profit, tu sais. Tu préfères en couple être avec quelqu'un de con et beau ou avec quelqu'un de moche et intelligent? Mais c'est quoi cette question? Intelligent. Moche. Ouais, ouais, quelqu'un de moche et intelligent. Ouais. C'est con comme question, mais. Moi, t'es sûr que. T'auras une conversation demain. Ouais, tu vois. Puis on va pas te le piquer. Alors, tu préfères danser un slow corps à corps ou danser un zouk? Alors, on dirait. Moi je préfère danser un slow. Ouais, moi je suis. Je sais pas pourquoi j'ai jamais dansé de slow. T'es plus à l'ancienne école. Ouais, quoi. Moi je suis à l'ancienne. Grave. Alors tu préfères lui mordre l'oreille, sentir son parfum? Moi c'est pas vrai, c'est sentir son parfum. Ouais, moi aussi, sentir son parfum. J'aime son sérum. Tu préfères dire non en pensant oui, dire oui en pensant non? Mais ça, c'est bien une caractéristique d'une fille, ça. Ah. Tu dis non, mais en fait, tu penses oui, donc faut que ton mec, il pense que tu dis oui, mais en fait, tu dis non. Non, mais c'est... c'est chiant, c'est trop abusé. Moi, je dirais, je préfère dire non, non en pensant oui. Ouais, ouais, voilà, c'est plus poli. Tu préfères une vie sans sexe, mais avec amour, une vie avec sexe, mais sans amour? Ah, c'est compliqué comme question. Hein. Moi, je dirais... Moi, une vie sans sexe, mais avec amour. Ouais, quand même, on a de l'amour, tu vois. Ouais. Vous avez pas vu Jojo? Jojo! Voici Jojo! Jojo l'abricot! La petite chienne de Dreyu. Voilà. Présent. Tu préfères coucher avec la personne que tu désires, coucher avec celui que tu aimes? Bah, celui que t'aimes, non? Bah oui, celui que tu aimes, ouais. En couple, c'est mieux, quoi. Aimer ou être aimé? Je préfère être aimé. Ouais, non, je préfère aimer. Ouais. 27-60. Ah, les gens préfèrent être aimé quand même. De battre pour récupérer ton amour ou attendre son retour sans rien faire? Me battre? Me battre jusqu'à la mort? Tu préfères te faire tromper par une ou un homo ou par une ou un hétéro? Ah d'accord, ah ouais, imagine ton mec, tu le surprends avec... Homo. Homo? Ouais, tu dis que c'est une personne qui est pas du même sexe que toi, donc ouais, ça te rassure un peu, ouais, tu dis que voilà. Ça te rassure. Ouais, tu dis que tu pouvais rien y faire s'il est attiré par le même sexe, ouais, c'est sûr. Tu préfères ton partenaire ou 1 million d'euros? Mon partenaire. 1 million. Non, je... Non, mais fais perdre toute dignité. Ouais, bah oui, tout partenaire. Ça, j'ai pas le choix, c'est ça. On va finir les couples. On va essayer de voir avec les filles, tiens. Quand t'es une fille, tu préfères recevoir un SMS ou recevoir un coup de téléphone? Un SMS. Moi, j'aime bien les SMS. Je trouve ça mignon. Après. Moi, j'aime pas le téléphone. Je décroche jamais, façon, quand on m'appelle. J'aime pas qu'on m'appelle en plus. Donc c'est... Ouais, non, moi, je préfère les SMS. Ouais. Tu préfères attendre, faire attendre? J'aime pas faire attendre les gens. Non, moi non plus, je préfère attendre. Ouais, je préfère attendre. J'aime pas ça. Poisson. Ah ouais, ah, les ouais, gens, ils préfèrent attendre. Putain, les gens, ils sont. C'est enfoiré, en ah fait. Ah ouais, putain, moi, non, je peux pas. Alors, tu préfères sourire à la fin d'une histoire d'amour, ne pas connaître cette relation amoureuse? Souffrir. Tu préfères souffrir? Ouais. J'ai dit sourire en plus comme une gueule, je comprenais pas. Putain, je sais pas lire, meuf, je te jure. Ah, les gens préfèrent ne pas connaître. Faut souffrir dans la vie, les amis. Trouver le bonheur. Alors, tu préfères qu'on te dise que tu es belle, qu'on te dise que tu es intelligente? Perso, c'est intelligente. Intelligente, ouais. Tout le monde peut dire que tu es belle. Ouais, c'est facile de dire que t'es belle. Hein. Ah ouais, les gens préfèrent. Mais, mais les gens. Mais les meufs, vous êtes sérieuses? Alors, tu préfères avoir de grosses fesses, mais de petits seins, avoir des gros seins, mais un petit cul? Un gros popotin, un mais bon carrément. Popotin. Mais non, mais les fesses, c'est la base. Les fesses, c'est la base. Grave. Ah ouais, les meufs, elles préfèrent avoir des gros seins. Tu préfères que ton mec couche avec toi en pensant à une autre, que ton mec couche avec une autre en pensant à toi? Moi, je vais choisir que ton mec couche avec une autre en pensant à toi. Ouais, mais il couche quand même avec l'autre, quoi. Bah ouais, mais tu veux faire quoi? C'est chaud, moi, ça me ferait chier qu'il pense à une autre. Après, oh, ouais, j'avoue, mais en fait, tout dépend de la situation. Par exemple, si vous êtes séparés. Ah, oui, dans ce cas-là, ouais. Mais ça me ferait chier quand même, tu sais. Oui, ça me ferait chier quand même. Bah, dans ces cas-là, deuxième proposition. Ouais, on va dire ça. Si on n'est plus ensemble. Tu préfères être belle et que personne ne t'aime, être moche, mais bien entourée? Ah bah, être moche, ouais, bien entourée. Bah, oui. Et qu'est-ce que la mocheté? Hein? Bien sûr. Tout non, pas susceptible, c'est subjective. Subjective, tout à fait, merci. Tu préfères tes parents ou ton copain? Ah non, c'est dur comme question, ça. Je préfère mon copain. Parce qu'à un moment, les parents... Tu vois, à un moment donné, t'en as marre de les voir. Tu les as là, quoi. T'as envie que ce repas de famille se finisse, tu vois, et que tu rejoins tes potes et ton chéri que... Ouais, non, moi, je peux... Ouais, dans ce cas, moi, je prends mon corps, perso. Je peux pas répondre à cette question. Tu peux pas? Non. Ok, tu sors.
20... Ah ouais, bon, ok, je suis mauvaise, ok. Tu préfères avoir une longue relation avec une personne, des courtes relations avec plusieurs personnes? Une longue relation. Mais des courtes relations, chaque relation avec plusieurs personnes en même temps ou... Oh, c'est une orgie, là. Il en parle quand même. On va avoir une longue relation avec une personne. Pas la tête. On a changé de thème, les amis. Maintenant, on est sur le thème des soirées. Alors, dépenser 50 balles en alcool ou dépenser 50 balles pour de la bouffe? Ah ouais, moi j'aurais dit alcool. Ah ouais. J'avoue que généralement on aime bien manger quand on fait des soirées, donc ouais, plus la bouffe. Tu préfères prendre une pilule qui enlève la gueule de bois, ne plus jamais vomir? Moi dans ces cas-là, je préfère ne plus jamais vomir. Ouais, mais t'as quand même la gueule de bois, mais ça va si tu vomis pas. Tu préfères faire un spring break à Cancun ou faire un week-end d'intégration, ouais, en Espagne? Un spring break à Cancun. Oh, attends. Tu préfères que ta daronne elle boive du Sprite full feu à la baraque? Alors, tu préfères casser une bouteille de vodka, perdre un 10 balles? Ouais, perdre 10 balles, la vodka, ça ouais, coûte cher. Trop cher, la vodka. Si tu prends une grosse bouteille, en plus, ouais. Les grosses rabiettes, c'est clair. On serait là en train de ramasser. Tu préfères abîmer la voiture de ton père en rentrant bourré ou casser une fenêtre de la maison en rentrant bourré? Abîmer la voiture. Abîmer la voiture. Ouais, j'avoue, quand tu peux faire. Ouais, tu peux faire un truc, tu peux dire tu t'es pris quelque chose. Ouais, tu peux m'abîmer parce que casser une fenêtre, dire que tu l'avais pas vu, c'est chaud quoi. Tu préfères voir le moment de ta conception. Là, on est. Alors, les amis, là, on est sur le thème dégueu. Voilà, tout simplement, on a trouvé ça. Donc, voir le moment de ta conception, voir le moment de ta naissance. De ma naissance. De ma naissance, j'ai pas envie de voir mes parents. C'est pas possible. Non, grave. Ah non, non, je préfère voir ma naissance, donc ça va être chaud, mais. Alors, tu préfères te couper les paupières au ciseau ou t'arracher les dents une à une avec une clé à molette? Ça part en live, ce quiz. Ça part complètement en mode dégoûtant. On est dans le saut en fait. Non. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train d'y penser en plus. On est dans le saut. Hyper chaud, imagine vraiment. C'est genre, t'es dans le saut, tu sais, t'as un piège et tout, et t'as ton, je sais pas, ton chien ou ta famille qui est en danger, faut que tu fasses quelque chose quoi. Bah, je dirais m'arracher les dents. Ah, mais t'as plus de dents que de paupières. Meuf, t'as pas. Ouais, mais attends, la paupière quoi, en dessous t'as l'œil. Tu te dis que si tu touches ton œil, tu peux plus voir. Tes dents, tu peux. Non? Mais putain, s'arracher les dents avec la racine, meuf, c'est chaud. Ouais, non, je préfère quand même m'arracher les dents. Ouais, bah vas-y, ok. Tu préfères nager 300 mètres dans des excréments ou nager 300 mètres dans une mer de cadavres? Mais c'est hardcore. Non, je crois que je préfère nager dans de la mer. Ouais, dans de la mer que d'une mer de cadavres. Non, ouais, je préfère aussi. Tu préfères utiliser la brosse à dents de quelqu'un d'autre, porter les sous-vêtements sales de quelqu'un d'autre? À choisir, je dirais utiliser la brosse à dents parce que tu peux quand même la passer souvent avant. Ouais, c'est ça, tu peux en mettre. Parce que les sous-vêtements. Tu préfères pleurer du sang, baver du sperme? On est sur la pente descendante là. Bon, bref. Moi, je préfère pleurer du sang. Ouais, pleurer du sang. C'est un peu chiant pour le maquillage. Alors, tu préfères avoir de la cire coulante de tes oreilles constamment ou avoir du caca? Mais tu veux où le caca? Bah, des oreilles. Des oreilles. Bah, de la cire coulante des oreilles constamment. Ouais, encore, tu peux mettre des bouchons, tu peux trouver un moyen, tu vois, parce que de la merde, c'est chaud quoi. Bah, t'as l'odeur quoi. Oh, en plus de ça, ouais. Ah, tu préfères avoir de l'herpès, avoir la syphilis? Aucun des deux. Vas-y, bah vas-y, je préfère avoir l'herpès. Joyeux, bonne humeur. Tu préfères lécher... J'ai vu un truc, ça me faisait très peur. Merci, Wish, pour la petite pub. Lécher l'anus d'une poule pendant 5 minutes, te faire picorer l'anus par une poule pendant 5 minutes. Je préfère que ce soit la poule qui me picore le cul, quoi. Ah non, ça doit faire super mal. Ah, hein. Mais lécher l'anus, quoi, meuf, pendant 5 minutes. Je sais pas. C'est la question dilemme, lécher le cul. Ouais. Tu lèches le cul, mais je te respecte. Tu préfères dormir dans un lit plein de vers, prendre un bain dans une baignoire plein de fourmis? Dans un lit plein de vers. Ouais. Les fourmis, ça rentre partout, mais c'est horrible. Tu préfères que des guêpes te piquent à chaque phrase que tu prononces, qu'une araignée sorte de ta bouche à chaque phrase que tu prononces? Que les guêpes me piquent. Tu finis par t'y habiter. Oula. Mais j'arrive pas à parler, moi je suis christianique ou quoi? Ah bah elle est mon petit chat. Des guêpes, au pire tu t'habitues à la douleur, tu vois. Ouais. Tu préfères manger ton propre vomi, manger 4 kilos d'extrait? Mais c'est dégueulasse. Ah, je préfère bouffer ma jambe. Ouais, bon, moi aussi. Tu préfères pleurer du pipi ou transpirer de la diarrhée? Pleurer du pipi. Bah ouais, vu qu'on pleure pas souvent. Ouais, on pleure pas souvent, donc je préfère pleurer du pipi. On essaie toujours de voir le petit côté positif dans les questions. Tu préfères... Ah! Tu préfères manger un tampon. Un tampon. On sait pas ce que c'est qu'un tampon, donc bon, tu préfères manger un tampon usagé, manger un litre de diarrhée. Mais un litre de diarrhée, non mais ça me dégoûte, putain. Un litre de diarrhée, en plus tu sers comment la diarrhée, en soupe, en bocaux? La meuf, elle se pose des questions très existentielles, oui. À choisir, je préférais un...
si j'étais dans le, vraiment dans la merde, tu vois, bah, j'irais attendre. C'est le cas de le dire. Ouais. Tu pourrais manger un sandwich de poil pubien ou boire un milkshake de vomi. Si c'était poil. Oui, si c'était poil, ouais. Si c'était poil à la limite, tu vois. Les amis, on va s'arrêter ici. Oui, en fait, c'était assez souvent le jeu qu'on fait en soirée. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo dessus. Donc voilà, on a vu des questions assez hardcore quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit like, en commentant et en partageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao! Ciao!